Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Minecraft. Donc, dans cet épisode, on va faire du build. Donc, comme je vous ai dit, voilà, on va alterner pur build, usine, etc. pour essayer vraiment d'avoir un let's play varié. Donc, c'est parti. Donc, tout simplement, vous voyez là, j'ai enlevé l'enclos des moutons, mais on les entend toujours. Parce que j'ai décidé de garder quand même mes moutons. J'ai une petite trappe ici qui est cachée. Et j'en ai gardé pas mal ici, donc je vais me nourrir de moutons en attendant, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai plus de deux stacks que j'ai récupérés, donc voilà. On va les laisser là, comme ça à l'occasion, on aura besoin de laine prochainement pour un nouveau pattern de maison. Parce que là, on a ce quartier-là un peu pauvre, on va dire, de base. On a le quartier un peu plus riche là-bas, qu'on a fait avec la terracotta. Et ici, on va faire le pattern qui est là au niveau du quai, tout partout, ici de ce côté. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais faire hors caméra, mais là, ensemble, on va tout simplement customiser la forge que l'on avait faite, qui est là-bas. Hop. Donc, au tout début de la vidéo, je vous ai mis un petit timelapse pour vous montrer un peu les avancées que j'avais fait au niveau du biome, parce que là-bas, j'ai rajouté pas mal d'arbres, tout ça. Enfin, je sais pas si on peut appeler vraiment ça un timelapse, mais voilà, j'ai fait un petit truc, hein, on va pas se mentir. J'ai tenté quelque chose, donc on verra bien si ça vous plaît ou pas. Donc, c'est parti, donc je vais poser tout simplement mes petites boîtes, etc. Mon attirail pour essayer de voir un peu comment on va dépatouiller cette histoire. Alors, clairement, donc, on a, hop, ça qui est là, et jusqu'ici. Ok. Donc le truc, c'est qu'on peut pas avoir une cheminée aussi longue, les gens. Ça va faire chelou, chelou. Donc là, déjà, on peut faire ça comme ça. Tac, tac. Touk, touk, touk. On peut pas avoir un fourneau qui soit aussi grand. Enfin, ça va faire bizarre, je pense. Surtout que du coup, il va falloir avoir une porte d'entrée quelque part pour la maison. Faut que je fasse gaffe. Ah bah non, il n'y a pas de lave, je suis bête, donc la propagation du feu, on s'en fiche. Du coup. Ah ouais, elle va être très très collée à la maison. Ah ouais, ça va être un petit peu galère. Je peux juste l'éloigner de 1, quoi. Et encore, il n'y aura pas vraiment de chemin possible, quoi, de passage. Wow, on va être un petit peu dans la panade, là. Je vais pas vous mentir, les amis. Ça pue le roussi, mon histoire. Ah ouais, mais de toi, on va être super collé, je peux pas. Ah ouais. Ah, je suis prise au dépourvu parce que je vais pas avoir de place pour faire un minimum de trucs. Ah, flûte. Si je la mets là, tout juste ici, au moins il y aura au moins un bloc d'écart. Ah là 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 là. La panade, les gens. La panade complète. Hop, 2, 3, 4. Et là, j'ai même pas un. Hein? J'ai monté trop haut? Ouais, j'ai monté un trop haut. Ah ouais, mes deux toits vont être complètement collés si je fais ça. Ah, flûte, les amis. J'ai pas pensé quand j'ai construit cette maison-là qu'ici j'allais avoir ma maison, quoi. Ah, et que je voudrais y faire une forme, tu vois. Parce que clairement, là, ma maison va être assez plate, quoi. Ça va être. Ah, flûte. Elle va être très petite, la maison. Ah, j'aime pas ça, les amis. Je n'aime pas ça. Alors, 3, 4, 5, tac. Et bien sûr, j'ai pas mis la poutre à 5, sinon ça aurait été drôle. Ça aurait été beau d'avoir bon du premier coup. Non. Et là, arrête de faire ton caca. Du caca. J'ai une peur d'une plante. Là, vous allez vous foutre de moi, très clairement. J'ai une peur d'une plante. Non mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau les gens? J'ai cru que la plante c'était un squeletton qui allait arriver m'envoyer une flèche. Non mais hé. Hello, t'as craqué là, faut que t'arrêtes, faut que tu le calmes. Très clairement. Je me calme les amis. Alors, hop. Donc l'avantage c'est qu'ici on a quand même 7, donc on peut remettre une petite poutre. Et ici là je peux rien faire de plus. Malheureusement, ouais. Quoique. Ah, je pourrais. Ah, mais j'aime bien l'idée que mon usine à terracotta soit près de la maison. Enfin, concrète, pardon. Bah écoute, on va rester sur ça, c'est pas grave. Là, on va s'occuper du fourneau ensemble déjà. Voir un peu comment on va se dépatouiller de tout ça. Mon fourneau va arriver jusque là. À peu près.
Donc à la rigueur, je peux peut-être m'amuser à faire quelque chose ici. Je suis un peu dans des hits. J'aime bien utiliser des matériaux différents. On va choper dans des hits là-bas. Il y a le coffre juste là à côté de l'usine à poulet. Hop! Un jour, on fera une vraie salle des coffres, les gens. Un jour, je vous le dis. Un jour. Je sais pas quand, mais un jour. Hop! Parce que le problème, c'est que faire la salle des coffres, c'est pas le temps. Ça va être qu'en vidéo, ça va me prendre du temps parce que je vais vouloir vous présenter plusieurs choses en gros. Présenter un peu les étapes que je vais utiliser pour la construire, vous voyez, et ça va être assez long, donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller au niveau du record pour vous faire un truc potable, on va dire. Hop, 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 hop. Alors voilà, on va faire comme ça. Et là, au niveau du fourneau, par contre, on va monter déjà 3 de haut. Sur les côtés ici. Non. Par contre ici, une torche, ça serait pas trop. Sinon, ça va, il risque d'avoir un gros dans les coins. Et les gros, on n'aime pas les entendre des fois. Je pense. Hop, on va monter partout. À la même hauteur, écoutez. Et on verra après pour ajouter peut-être un peu de détails dans le fond. Mais ça risque d'être tendu. Alors, tac. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir resserrer? Alors là, ça va être une bonne question. Alors, comment on va gérer ce punaise de four? Parce que je voudrais que ça fasse une espèce de cheminée, quoi. Ça serait cool. Hop. Ah. Hello, la faille. Alors, je vais mettre des blocs ici. Ouais, donc après, on va voir comment améliorer un peu le truc. Mais pour l'instant, au moins, on a un début de quelque chose. Très clairement, ici, tac. On est monté à 2 blocs, là on va monter qui est d'un bloc. On va faire ça comme ça, comme ça, tac. Comme ceci, tac, comme cela. Ah ouais, mais j'aime pas du tout comme ça. On va avoir trop de trucs linéaires, vous savez, j'aime pas trop. Enfin, linéaire, dans le sens où j'aurais escalier là et tout. Enfin, voilà, ça va pas être très très beau. Du coup, comme ça. What? Je me suis foiré quelque part. Bah oui, j'ai un four de deux. Les gens, mon cerveau, il est cramé là, je vous dis. Il a un problème. J'ai un truc de deux, je suis débile. Forcément que ça ne va pas. Tac, donc ici. Ah. Alors ici comme ça. Ici comme ça. Ah, flûte. Je vais finir par me casser la figure, hein, je vous le dis. Alors. Ça fait qu'ici on a un bloc plein. J'ai mis un escalier ici. Et là j'ai remis un escalier là. Hop. Et si je mettais pour une fois une dalle? Peut le faire ça. Là on aura un simili de toit ici qui partirait avec celui-là. Donc ici au niveau de la cheminée, ah, en vrai je pourrais monter d'un de plus. Mais en fait on n'aura plus accès au coffre en fait, sinon c'est ça que je suis en train de me dire, c'est qu'on n'aura plus accès à ce coffre du haut, donc il faudrait que je l'enlève. Tac. Ah ouais, il faudrait que je l'enlève en fait. Ah oui. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire, écoutez. On va pas avoir trop de choix. Tac. Des escaliers ici. Non. Ah, punaise. Comme ça fera un angle. Ici, tac, la même de ce côté-là. La même ici, des blocs pleins. Ah non, ici, j'ai pas mis de blocs pleins, mais.
On a deux escaliers comme ça. Enfin, je réfléchis à mort en même temps. Franchement, là, c'est compliqué. Hop. Alors, comme ça, du coup, et comme ça. Et c'est plutôt ici. Voilà. Tac. Ah. On est tombé. Donc, comme je vous ai dit, tant pis, on va supprimer l'histoire du double coffre. C'est pas très, très grave. On a quand même du stockage, donc faut pas déconner, c'est pas problématique en soi. Hop, on va mettre des escaliers comme ça. Hop. Donc on va dire qu'ici, en gros, on aurait notre conduit de cheminée. J'adore quand je me trompe, j'adore. Alors, j'aurais déjà dû casser le bloc là. Hop, 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 hop. On remonte. Alors, là c'était quoi, c'était un bloc plongé. Alors ici, on aurait notre conduit de... Notre conduit de la forge, quoi. Ma minecart a un peu bougé. Enfin, j'arrive à le replacer correctement. C'est pas grave, elle est tombée, on s'en fiche. On a plein de la stone, c'est pas un problème. Tac. Comme ça. Hop. Comme ceci, ici aussi. En fait, là, il faudrait faire la même. Plutôt. Hop. Hop. C'est pas évident de faire des trucs de ce genre pour essayer de faire un minimum de détails et tout. Alors, du coup, ouais, là, ça veut dire qu'on aurait la cheminée qui va sortir par ici. Donc, dès qu'on aura qu'on passera en point 14, on mettra ici des feux de camp. Histoire d'avoir de la fumée, de la vraie fumée. Oh, ça va être tellement plus classe de faire des cheminées avec leurs feux de camp. Ça va être top, les amis. Alors du coup, ouais, il faudrait que je rajoute un peu de craquelé et tout par-ci par-là, histoire d'avoir une cheminée un peu plus... une forge un peu plus valide. On va dire que normalement, ça devrait être une forge, ici. Mais bon, voilà, on va faire avec nous, notre façon de faire et tout. Donc on va maintenir ça comme ça. Le fait que l'on voit la cobble là-bas derrière, ça fait un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Donc là, ici, l'histoire du double coffre, on n'en aura plus besoin. Ah, j'ai zappé, j'avais du loot en fait. J'avais zappé que j'avais du loot, les gens, depuis le début. Un petit peu oublié. Bravo, Hello. Formidable dans ton cerveau. Hop. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai ramassé. J'ai réparé mes bêtises. Donc là, au niveau de la forge, ouais, le sol, on va le laisser en stone brick. Alors, on mettra peut-être de la pierre, en vrai, pour faire un matériau un peu moins riche pour le sol. Ouais, on va faire comme ça, écoutez. Donc je vais faire une toute petite ellipse les amis, le temps de modifier quelques petites choses et je vous reprends après. Et re les amis, donc j'ai commencé à faire un peu, j'ai fait l'ossature du toit, j'ai commencé à faire le bas. Et comme je vous l'ai dit, bah, j'ai rajouté un peu de craquelé, vous voyez, et de moussu par-ci par-là. Histoire de rajouter un peu plus de variété au niveau des blocs. J'en ai pas abusé, j'en ai pas mis beaucoup, mais voilà, c'est valide. Donc là en gros je vais avoir les murs de la maison aussi ici. Donc il va y avoir un accès quelque part, bien évidemment. Ma petite hache, s'il vous plaît. Hop. Donc ici, on aura accès tout simplement à la forge. Et j'ai plus de blocs de sapin sur moi. Enfin non, de chêne, pardon. On va y arriver. Donc ça attaque. Et ici, on aura accès tout simplement à la forge. Donc hop. Ouais, on va juste mettre une petite dalle ici aussi également. Hop. Ah là là, un petit épisode tranquillou build les amis, ça fait du bien. Hop, alors des blocs pleins ici, tac, ici. Et, ouais, on va mettre... Je sais pas trop. Ouais, si on va mettre trois vitres direct. Tac, comme ça. Hop. Et hop, le petit volet. Hop, ici la porte d'entrée, très bien. Et idem, ici, du coup, on aura une fenêtre. Bon, la maison sera petite, mais écoutez, ça sera suffisant. Hein.
On va faire comme on a avec les moyens du bord. Hop. Voilà, donc ici ça c'est fait. Juste rajouter le petit bouton au milieu, histoire de faire comme sur les autres maisons. Ah non, les autres maisons, je les ai rentrées de 1. Ah, attendez. Vous savez quoi? On va la laisser comme ça parce que si je la rentre de 1, elle va être encore plus petite. Et si elle est plus petite, on va être en mode PLS. On va pas se mentir. Hop, on va rajouter un petit bouton ici dans le bas du coup, comme il n'y aura pas trop de relief sur la façade. On va la laisser comme ça parce que clairement, sinon, quand je vais la décorer, il n'y aura pas de place. Donc, décorer une maison où il n'y a pas de place, ça me paraît chaud, quoi. Vous voyez? Hop. Hop, petit muret de cobble, histoire de pouvoir mettre ça dessus. Oh, j'ai tellement hâte que là, on passe à 1.14 sur cette map, parce qu'on aura beaucoup plus de choix en muret, et ça va être terrible pour le build. Franchement, ça va être juste top. Hop, ça comme ça. Tac. Hop. Et voilà. Là, je peux pas mettre de bouton d'acajou parce qu'il y en a déjà de ce côté-là. Donc, c'est pas grave. Hein. On fait ça. Donc là, il reste le toit à faire en gros. À combler. J'ai ramassé tout mon bric-à-brac. Donc ici, ça veut dire qu'on aura un chemin. Jusqu'à la porte qui est là. Hop. Non, hello. Non, non, non. Je suis bloqué là. On va faire comme ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Faut juste que j'aille chercher quelques blocs parce que j'ai pas tous les blocs de chemin. Mais en gros, le chemin serait ici, ça c'est sûr, c'est une certitude. Du coup, le toit. Ah non, même pas, j'ai la façade du haut à faire d'abord. Yes. Hop, alors attendez, on va remonter. On va monter ensemble. Hop, hop. Ouais, c'est ça, on a la façade ici à faire. Donc, tac, tac. Tac ici, tac, comme ça, et comme ça. Et on a juste à mettre, hop, une petite fenêtre des familles. Hop, ici comme ça, tac, tac. Ah, ma barrière est pas connectée ici, comment ça se fait? J'ai vu un truc bizarre, les gens. Attendez, attendez, attendez. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Ah, je me suis foiré. Hop. Bon. Hello fail, comme d'habitude, vous savez bien, c'est l'accoutumée. Alors, tac, tac, tac. Comme ça. Et comme ça. Voilà, là, c'est connecté, c'est mieux. C'est le principe. Tac, et ici, une barrière. Ah ouais, et là, le truc en lévitation, ça le fait pas trop, par contre. Alors, attendez. Est-ce que j'ai encore des planches? Des dalles, ouais. J'ai mis des dalles à l'intérieur pour pouvoir faire le dessin du dessus, mais... Bon, bah voilà. Là, on a une maison quasi terminée, au final. Je vais m'occuper de faire le chemin, je vais combler le toit et je vous reprends après, les copains. Et re, les amis, donc on se retrouve pour cet épisode, pour clôturer l'épisode, parce que, clairement, j'ai fait le montage, j'ai rajouté un peu de musique, etc. Et on en est déjà à 20 minutes, donc voilà. On va pas s'attarder plus longtemps sur l'épisode. Donc, la zone à côté de la zone portuaire, on la finira une prochaine fois, écoutez. Mais voilà, pour cet épisode, bah, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, donc... J'ai rajouté un peu de végétation, vous voyez que des buissons, des fleurs à droite et à gauche, tout autour de la forge, histoire que ça soit valide. Mais comme on le voit, en prenant un peu de la hauteur, ça rend plutôt pas mal le fourneau. Il manque plus que de la vraie fumée pour éviter de faire avec de la toile d'araignée comme on a fait sur les maisons. Mais c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du toit, j'ai tout simplement mis des dalles en roche que j'ai montées. Vous voyez, de un demi-bloc à chaque fois pour essayer de faire un petit peu de dessin. Donc au niveau du toit, là où ça monte, vous avez vu, j'ai tout simplement mis un bloc plein avec une plaque de pression, histoire que ça soit pas spawnable. Mais voilà, la forge est finie. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, malheureusement. Écoutez, on n'aura pas le temps de faire grand-chose, mais voilà. Je vous ai montré un peu comment j'ai fait pour une fois. Voilà, ça aurait été un épisode un peu moins riche, on va dire, en contenu. En soi, parce que d'habitude, voilà, il y a beaucoup de choses faites hors caméra. Là, il y en a eu beaucoup moins.
Alors j'ai quand même mis du temps à faire la végétation tout autour là-bas au début, mais bon, voilà. Donc, bref, trêve de bavardage. On va s'arrêter ici pour cet épisode, les amis, parce qu'il s'est passé pas mal de time. Donc, n'hésitez pas tout simplement à me donner des retours sur cet épisode, voir s'il vous a plu. En tout cas, on se retrouve demain pour une autre vidéo et la semaine prochaine pour un épisode survie Minecraft. Les amis, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.